Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo spéciale masque maison. J'ai bien dit. Donc, pour cela, vous allez avoir besoin d'une banane, de miel, d'une mangue bien mûre, d'un filon, d'un verre, d'un couteau, d'une planche à découper, d'une cuillère à soupe. Donc, c'est parti. Le mélange, le masque, ça donne ça. C'est liquide, mais bon. Donc évidemment, on s'est démaquillé. Pour le masque, vu que c'est quand même assez liquide, vous prenez un Kleenex que vous séparez. Donc en fait, vous prenez le plus fin. Le côté le plus fin. Vous le disposez sur votre visage. Une paire de ciseaux. Voilà, donc vous le placez au niveau. Donc vous le placez ici au niveau du front. Vous faites vos repères pour les yeux. Donc moi je vais faire un petit trou là. Un petit trou là. Et après bon, vous avez le nez là. Hop. Et la bouche là. Hop. Et après vous découpez un petit peu mieux. On collera le mouchoir par-dessus pour éviter justement que ça coule ou autre, et comme ça le visage peut bien s'imprégner. Laisser poser 20 minutes toutes les deux pour dire de vraiment hydrater tout à l'heure. Voilà. Nous revoilà après 20 minutes de pause. Donc je sais pas si vous allez voir, en fait en séchant le papier devient un petit peu blanc. Voilà, donc évidemment tout autour de la bouche ça s'est cassé la gueule, hein. Ça a un petit peu pas bien tenu, mais sinon ça a séché. Donc pour le retirer, on s'est muni d'un bol avec de l'eau tiède et un gant de toilette pour Chloé et moi du coton. Donc on va retirer le masque. Le faire dans les sourcils pour bien tout retirer et pas avoir des sourcils qui collent. Faire à l'envers et après les remettre normalement. Donc le visage est d'une douceur incroyable, il ne tire plus, parce que souvent même quand je me démaquille avec la solution micellaire ou un autre démaquillant, j'ai toujours le visage qui a tendance à tirailler un peu après. Il n'y a pas de film gras ou... Ah non non non, c'est juste... On espère que la vidéo vous plaira, on vous dit à très bientôt, bisous bisous.